Tout espace de vie d'une poule, peu importe la race, devrait idéalement comprendre un parcours délimité ainsi qu'un bâtiment ou poulailler dans lequel les volailles sont fermées pour la nuit. Le poulailler doit être capable de contenir tous les animaux présents sur parcours dans de bonnes conditions, dans le cas où il faudrait impérativement les enfermer, par exemple en cas d'intempéries, en présence de prédateurs ou en cas d'arrêté préfectoral. Tout d'abord, pour revenir un petit peu sur le parcours est un élément qui est essentiel de la zone de vie de la poule puisqu'il est lié à la liberté de celle-ci et donc à son bien-être. Il doit être clos et grillagé pour assurer la sécurité de la volaille contre les prédateurs, notamment les renards qui sont présents aussi en milieu urbain, et limiter l'impact des poules sur éventuellement le reste du terrain ou le potager. Alors, le grillage peut être renforcé par le bas pour éviter l'intrusion justement de certains rongeurs ou des renards, et suffisamment haut pour que les animaux et les poules ne puissent pas voler par-dessus. Certaines poules volent très bien. En élevage de poules pondeuses, il est recommandé de compter 4 à 5 mètres carrés de parcours par poule. Pour assurer la repousse de l'herbe sur le parcours, il est conseillé de prévoir un deuxième parcours éventuel ou de gérer de petits enclos au sein du parcours pour pouvoir déplacer les poules dans différents parcours. Il est possible, par exemple, d'effectuer cette rotation des parcours, soit en déplaçant les poules, soit en déplaçant les poulaillers, permettant de limiter la charge en micro-organismes et en parasites liés éventuellement au surpâturage. Maintenant, si on parle du poulailler, alors il existe beaucoup de modèles de poulaillers aujourd'hui et de plus en plus, de toutes les tailles. Les poulaillers sont aujourd'hui plus communément en bois. La taille dépend du nombre et de la race de poules qu'on veut héberger. On va pouvoir mettre plus de poules naines que de poules de grande race. Donc à l'intérieur de ce poulailler, on préconise 6 poules par mètre carré de surface. C'est le minimum en tout cas, ça correspond au cahier des charges des poules pondeuses biologiques commerciales. Sachant que, bien sûr, les poules bénéficient du reste du parcours sur leur journée. C'est vraiment juste pour aller pondre, pour dormir, éventuellement s'alimenter. En ce qui concerne le perchage, donc c'est une clé aussi du bien-être animal de la poule, il faut au moins 18 cm de perchoir, comme l'indique la réglementation européenne pour les élevages biologiques commerciaux. Garder des perchoirs mobiles peut s'avérer intéressant et être un vrai avantage, puisque les poules en fait, vont souvent choisir leurs emplacements pour dormir. Et donc, on va pouvoir adapter les lieux de perchage au choix des poules. Voilà. Alors, il est bien aussi que le poulailler soit efficacement isolé. Notamment, et si besoin, on a des poussins qui ont des besoins thermiques très importants. Alors, quel que soit l'âge des volailles, il faut savoir aussi que les volailles respirent. Donc, elles évacuent de l'eau et différents gaz, comme du dioxyde de carbone et de l'ammoniac. Donc, il faut prévoir des aérations. Dont le nombre et la taille va varier en fonction du nombre d'animaux dans le poulailler, en fonction de la situation du poulailler, souvent on regarde les vents dominants, en fonction de la région. Et donc si on regarde d'un point de vue plus dynamique, il est recommandé d'avoir plusieurs petites ouvertures plutôt qu'une grande, de même surface, pour vraiment pouvoir ventiler et aérer le poulailler. Ça aura un impact important au niveau de la litière. Un air qui va être chargé en eau participe grandement à l'humidification de la litière et à la dégradation. De grandes concentrations d'ammoniac peuvent se révéler très agressives pour les voies respiratoires, les muqueuses oculaires, et on peut avoir un développement de maladies respiratoires. Donc il faut essayer de tenir compte de tous ces paramètres, de température aussi, d'hygrométrie, d'humidité dans le bâtiment, mais aussi à l'extérieur, pour vraiment bien ventiler le poulailler. Donc pour la litière, il est nécessaire de préserver une litière qui est sèche et propre. Donc on peut travailler sur paille, sur copeaux de bois, sur chanvre, et d'effectuer un nettoyage qui soit régulier du dortoir et de la zone de ponte. Les nids aussi doivent être confortablement paillés et se situer dans un endroit sombre et placé légèrement en hauteur. Les perchoirs pour dormir doivent être les plus hauts puisque les poules perchées se sentent en sécurité. C'est un réflexe anti-prédation. Donc il vaut mieux compter un nid par poule pour le nid. Et ceci se présente en général comme une boîte ouverte sur un côté, équipée d'un toit qui permet de récupérer facilement les œufs en limitant le dérangement des poules et garantit suffisamment la pénombre et la tranquillité. Alors, la litière aussi est importante puisqu'elle permet d'absorber les fientes et une litière sert aussi à assouvir un besoin important de la poule qui est ce besoin de grattage et qui est vraiment propre à la poule.
Donc, elle a vraiment besoin de gratter dans le bâtiment, aussi au niveau du parcours. Donc, le parcours va pouvoir vraiment subvenir à ces besoins-là. Alors, par rapport au point d'alimentation et d'abreuvement, dans le poulailler et sur le parcours, c'est bien d'en mettre plusieurs pour éviter les compétitions à la gamelle, parce qu'on a toujours des relations dominantes-dominées. Et c'est bien aussi de les couvrir pour prévenir des souillures et protéger très bien les aliments et l'eau des éléments extérieurs et même de la faune sauvage pour limiter les risques de contamination.